Salut Toqué, chapeau et Toqué en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On est le 29 décembre, il est exactement minuit 3, je viens tout juste de terminer ma séance de Brain Dead. Qu'est-ce que je me suis régalé, putain de merde. J'ai descendu le magnétoscope sur la petite télé, la petite Smart TV Samsung. Bon, je pensais que ça aurait peut-être été trop grand, mais non, non, ça a déchiré, c'était vraiment vraiment excellent. Donc j'ai été plein de motivation, je me suis dit allez je vais faire ma petite vidéo, dernière vidéo achat de l'année. Donc quelques petites emplettes que je me suis fait sur Vinted et puis quelques cadeaux de Noël de ma chérie. Alors on va commencer sans plus tarder avec un bouquin. Alors un nouveau bouquin de chez Taskent. Voilà, j'ai déjà les années 70, les années 80. Et prochainement, je récupère les années 60 et les années 2000, donc c'est très très cool. Donc voilà, je me suis récupéré à l'œil un peu, vous avez vu pour Noël dans la dernière vidéo, le Génération Vidéo Club Back to the 90s. Vraiment vraiment excellentissime ce livre, je l'ai quasiment fini. Je vais me prendre celui sur les années 80 d'ailleurs. Et là voilà, Taskent, comme ça, je l'aime beaucoup aussi leur livre. Premier que j'ai eu, c'est Cinéma d'horreur, hein, avec la créature de Lachman en couverture. Et donc voilà, ça reprend de très 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 bons films des années 90. Et c'est bien, c'est parce que justement, il y en a beaucoup qui sont pas dans l'autre bouquin. Bon bah pour le coup, Thelma et Louise, lui, il y est. Sinon, on a quoi? On a Forrest Gump. Forrest Gump, il me semble pas. Si, il y est aussi dans le bouquin. J'étais en train de me dire. Ed Wood, voilà, de Tim Burton, bien évidemment. Ça, c'est Dracula ou Entretien avec un vampire. Entretien avec un vampire. Voilà. On a Speed, excellentissime. On a Shall We Dance. Voilà. 96. On a Mission Impossible qui est aussi dans le Génération 90. On a Festen. Voilà, de Thomas Vinterberg. Pour le pire et pour le meilleur, avec l'excellentissime Jack Nicholson. Voilà, Titanic. On pourra pas finir sur mieux. Hein. Voilà. Donc très cool, je l'ai eu pour 5-6 euros frais de port inclus sur Vinted, donc une belle petite rentrée. Alors, ensuite on va enchaîner toujours sur de la lecture, ça c'est très très cool. C'est les BD officielles du film Hook, donc avec Robin Williams, hein, de Steven Spielberg. Donc il y a les deux premiers épisodes, donc c'est très très sympa, hein, c'est des trucs d'époque. Hop. Voilà, et donc c'est la BD, hein. Voilà, on retrouve Peter avec Wendy Moira. J'essaie de vous montrer quelques dessins si on peut voir avec les pirates. Voilà, avec les pirates. Vous voyez, quand je vous dis c'est d'époque, hein. Tortue Ninja 2. Très 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 cool. Voilà, des superbes illustrations. Donc une tarte de pouvoir lire ça, je suis vraiment content. Pareil, hein, sur Vinted, hein, pour je sais pas, 4 euros les deux, donc 5,60 je crois, frais de port inclus. Donc c'est excellent. La première. Et le deuxième épisode, Peter Pan contre le capitaine Hook. Le capitaine Crochet, bien évidemment. Voilà, avec Rufio. La première partie de ce poster dans le numéro 1 de Hook. Ah, il y a un poster en deux parties, d'accord. Intéressant. Voilà. Toujours des superbes illustrations. Hop. Et là, il est rentré à la maison. Voilà. Et là, on a Fievel. Excellent aussi. Top, top, top. Donc voilà. Très, très cool. Hyper heureux de rentrer ça. Je pense que c'est des trucs qui sont plutôt pas donnés. On va continuer sur les livres. On finira avec les DVD, les jeux et puis la petite figurine ensuite. Alors, un énorme livre de Patrick Mahé avec une préface d'Antoine Decaune. C'est les archives de la télévision. Voilà, donc c'était Télé 7 jours qui a fait ça. C'est un livre qui vaut 50 balles de base et je l'ai eu à Cora pour 12 euros. Vous savez, dans le bac des stockages là.
Et il y a un peu de tout, hein. Déjà, c'est illustré par de vraiment magnifiques photos. Et ça passe partout, par les émissions télé, par le sport, par les journaux télévisés, les événements politiques, les événements historiques, autres que politiques. Vous voyez, politique. Lionel Jospin. Feu Jacques Chirac. Voilà. Qui vont gagner des millions, le loto, voilà, ça passe par les jeux télé, ça passe par la télé-réalité, ça parle des séries. Vous voyez, les revenants, fais pas ci, fais pas ça. Et puis il y a des fac-similés, en fait, des archives qui se présentent un petit peu comme ça. Donc c'est plus des petites pochettes, hein. Il y en a à peu près une quinzaine sur tout le bouquin. Et là, par exemple, c'est le petit catalogue des 7 d'or du 10e anniversaire, donc de 1995. Vous voyez, c'est les reproductions, donc là, il y a tous les récompenses dedans. Voilà. Meilleur présentateur de JT, meilleur magazine d'actualité. C'est vraiment cool. Avec des photos en plus. Et par exemple, au niveau rubrique sportive, eh ben, ils ont fait la reproduction du Télé 7 jours spécial qu'ils avaient sorti le lendemain de la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Donc c'est vraiment excellent. Et j'ai craqué, hein, pour 12 balles pour ce très très beau bouquin. Donc voilà, les archives de la télévision, si ça peut vous intéresser. Alors ensuite, on va passer sur quelques DVD. Alors, si je monte ça comme ça va pas parler à beaucoup de monde. 40 Seconds, Street Forever et le volume 2. Alors, vous dites sûrement qu'est-ce que ça peut être? Volume 1, volume 2, 42 Street, avec un cinéma, un vieux cinéma comme ça devant. C'est pas anodin. En fait, si vous voulez, donc c'est marqué Weird Ride and Crazy Theatrical Trailers from Around the World. Bizarre, sauvage et fou, c'est tout des bandes-annonces en fait de un peu partout dans le monde, toujours confondu. Donc il y a du thriller, il y a du film érotique, il y a du film gore, il y a. Et en fait, voilà, c'est 2 heures de bandes-annonces style Grindhouse et compagnie. Et c'est top parce que la plupart, il y a le grain sur l'image et tout. Et en plus, c'est Dual Zone. Et franchement, je suis hyper content d'avoir rentré ça. En fait, c'est au coin d'un vieux Mad Movies, au détour d'un vieux Mad Movies dans une rubrique, la rubrique à la fin où il parle de DVD, où je suis tombé dessus, j'ai découvert ça. Et franchement. Je me l'ai su choper sur Momox. Je crois que c'était 60 ou 70 centimes pièce. Voilà. Et voilà, donc je les ai eus en plus en 3-4 jours. Hyper content de rentrer ça. C'est vraiment une vraie belle rentrée. Vous voyez. Hop. Voilà. C'est un peu le même style que les DVD justement avec les bandes Grindhouse, tout ça. Oui. Il y en a pas mal de trucs dans ce style, mais les vidéos nasties aussi. C'est un peu dans cette veine. Et franchement, c'est super cool. Je vous les conseille, ces deux petits objets un petit peu particuliers, on va dire. On va rester sur le même type de DVD, hop, avec un documentaire, je crois, qui était passé Arte. C'est Rewind This, voilà, donc le documentaire sur la VHS exploitation, voilà, sur la VHS. Alors déjà, je trouve la cover magnifique, hein, ça fait fort penser au bouquin que je vous ai présenté, Video Cover Art. On est totalement là-dedans, hein, c'est totalement dans ce style. 90 minutes, voilà. Faut juste que je vois si sur mon lecteur ça va passer, parce que c'est une zone 1. Je pensais que c'était un all zone. Bon, après voilà, pour 3-4 balles, c'est pas non plus perdu, hein, si jamais il va, ne serait-ce qu'en exposition, il est très très beau, quoi. Il y a un des molles DVD magnifiques aussi. Rewind This. Donc voilà, pareil, je vous invite à vous pencher là-dessus, vous renseigner et vous le procurer, hein, c'est une belle pièce. Ensuite, je rentre enfin le Suspiria de Dario Argento, en plus chez Whiteside, dans la collection Les Introuvables, qui est une excellente édition, collection. J'en ai déjà, j'ai Santa Sangre de Jodorowsky, je crois que j'en ai un autre. Voilà. Donc là, petit fourreau. Hop. Donc Suspiria, le premier volet de la trilogie. Alors je crois que le deuxième c'est Inferno et le troisième c'est Mother of Tears, si j'ai pas de bêtises.
J'espère ne pas dire de bêtises. Bien, c'est Suspiria Phenomena. Oh, je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises. Hop. Donc, on a bien évidemment le film et les compléments. Voilà, donc, une fois de plus, hein. Il n'y a pas de placement de produit. Je suis pas du tout sponsorisé par eux, mais je vais peut-être me renseigner pour le faire. Vinted, les cocos. Vinted, voilà, 4€, je crois, frais de port inclus. Donc, excellent depuis le temps que je le cherchais. Au moins ça me permettra de le découvrir enfin. Donc les DVD, la lecture, c'est tout. Jeux de société un peu dans le même style que le Rocky Rama que je vous ai présenté et le Saw film. Donc c'est Battle Quiz réplique culte. Voilà, donc j'ai eu 5€ tout neuf. En fait voilà, c'est 500 questions sur les répliques de films. Donc un livre et 500 questions réplique culte du ciné. Nom de Zeus, savez-vous qui prononce cette réplique? C'est à moi que tu parles. Retrouvez-vous de quel film est tirée cette célèbre menace? T'as de beaux yeux, tu sais. Qui a de beaux yeux dans ce film au juste? Voilà, donc très très cool. Ça me donnera peut-être l'occasion, si vous voulez, un de ces quatre, en cas, ensemble, notre petit groupe, là, bah, de le tester et de faire quelques parties sympas. Donc, voilà, voilà. Et du coup, pour terminer, une pièce que je suis très content de rentrer. Surtout, voilà, je l'ai eu pour 10 balles hein, avec les frais de port. Donc, vous n'êtes pas, pour ceux qui me connaissent, vous n'êtes pas sans savoir que mon film d'horreur préféré, c'est The Devil's Rejects, du génialissime Rob Zombie. Hein, j'aime d'ailleurs quasiment tous ses films. Lord of Salem, je le trouve excellentissime alors qu'il est tellement conspué. Le seul qui m'a un peu déçu, et encore, je lui trouve quand même quelques qualités, c'est 31, sorti voilà. Donc, en parlant de Monsieur Rob Zombie, eh ben une petite Funko Pop Rob Zombie, je la trouve excellente. Voilà, Rob Zombie, la petite Funko Pop. Je sais même pas hein, qu'ils avaient fait une Funko Pop Rob Zombie. Pour vous dire, c'est par hasard que je suis tombé dessus sur Vinted. Hein, donc c'est cool, Je vais pouvoir la foutre bah, directement à côté de la filmographie complète. Et pour le coup, je pense que je l'enlèverai même de sa boîte, quoique on verra bien. On verra bien, donc voilà, excellentissime la Funko de Rob Zombie, je suis très content. Et ben voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je suis plein de motivation, je vais sûrement enchaîner sur la version longue de Midsommar, j'ai envie de me remater ce petit bijou. Et ben nous on se dit à très bientôt les toquins. Joyeux nanonif, ciao ciao et bonne année, faites attention à vous. Ciao.